Bon, bonjour, est-ce que ça. le, le micro-marché euh, Donc, euh, j'ai intitulé mon intervention euh, D'écrire l'enfer, décrire le paradis, euh, ou le représenter, c'est pareil. Et euh, en fait, ce sera quelque chose autour de, de ce que Schopenhauer dit de Dante. Dans le monde comme volonté, comme représentation, Schopenhauer se réfère deux fois à, à Dante. Une fois dans le livre 3, il parle du paradis, et une fois une autre fois dans le livre 4 où il fait référence à l'enfer. Et on va partir de cette référence-là, qui n'est pas très longue, je vais euh, vous la lire. Si l'on mettait, euh, si mettait sous les yeux à chacun les douleurs, les souffrances horribles auxquelles nous expose la vie, l'épouvante nous saisirait. Prenez le plus endurci des optimistes, promenez-le à travers les hôpitaux, les lazarets, les cabinets où les chirurgiens font des martyrs, à travers les prisons, les chambres de torture, les hangars à esclaves, sur les champs de bataille et sur les lieux d'exécution. Ouvrez-lui toutes les noires retraites où se cache la misère, fuyant les regards des curieux indifférents. Pour finir, faites-lui jeter un coup d'œil dans la prison du Golin, dans la tour de la faim. Il verra bien alors ce que c'est que son meilleur des mondes possibles. Et d'ailleurs, d'où est-ce que Dante a tiré les éléments de son enfer, sinon de ce monde réel lui-même Pourtant, il en a fait un enfer fort présentable. Mais quand il s'est agi de faire un ciel, d'en dépeindre les joies, alors la difficulté a été insurmontable. Notre monde ne lui fournissait point de matériaux. Il n'a donc eu qu'un parti à prendre, au lieu de nous parler de la félicité du paradis, nous redire les leçons qu'il y avait reçues de ses ancêtres, de sa béatrice et de divers saints. C'est assez avouer ce qu'est notre monde. Alors, bon, dans ce passage, on, on retrouve, euh, outre une pique adressée donc à, à Leibniz que Schopenhauer déteste, déteste particulièrement, il y a un passage <laughs> du monde comme volonté comme représentation, où il dit que le monde est le pire des mondes possibles dans une symétrie avec Leibniz. On trouve donc une remarque critique sur la divine comédie, euh, qui est assez simple. Hein. Pour Schopenhauer, la description de l'enfer est une réussite, et celle du paradis, un échec. Bon, une dissymétrie qui est assez remarquable dans la mesure où on pourrait supposer que euh, tout ce qui a trait à l'au-delà, que ce soit le paradis, l'enfer ou le purgatoire, euh, relève euh, de, euh, de euh, l'irreprésentable. Euh, et pourtant, ce qui fonde le jugement de Schopenhauer sur cette dissymétrie, c'est simple. Si on lit le texte, pour décrire l'enfer, Dante avait, selon Schopenhauer, qu'à s'inspirer des souffrances réelles inhérentes à toute vie. Et la description du paradis ne pouvait qu'échouer, pas parce que Dante est un mauvais poète ou manque de génie, mais parce que ce qu'il faudrait décrire n'existe pas, ne peut pas être imaginé, ne peut pas être non plus même conçu. D'où cette histoire de difficulté insurmontable. Alors, il faut remarquer que. La critique, elle porte sur le point précis du contenu intuitif, de ce qu'on donne à voir. Schopenhauer ne dit pas du tout que le paradis est raté. Euh, dans le livre 3, il cite le paradis et notamment le fait que les, euh, les élus se présentent sous forme de points lumineux. Et euh, pour, pour Schopenhauer, il illustre euh, avec ça le point selon lequel la, euh, la béatitude intellectuelle est bien symbolisée par la lumière, pas représentée intuitivement, mais représentée symboliquement. Mais ce qu'il qu lui reproche, c'est que Dante ne donne pas à voir et ne peut pas donner à voir ce, ce à quoi pourrait ressembler une béatitude éternelle. Le paradis ne peut pas parler la langue de l'intuition ou de la représentation, mais simplement celle du concept ou du, euh, ou du symbole. Je dois dire que je suis assez d'accord avec Schopenhauer, en fait. Tout le monde conçoit bien que... Être allongé dans une boue noire, noyé dans une fosse à purin, écorché vif ou bien mastiqué par Lucifer, et ça pour l'éternité, on, on voit que c'est assez désagréable. Et on peut se l'imaginer euh, concrètement et euh, douloureusement. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais être convaincu que sertir une croix géante. Ou bien regarder une fontaine depuis l'intérieur d'une rose dont on est un, un pétale, et que ça, ça représente le summum de la félicité, c'est plus compliqué. Si on ajoute que ça aussi, c'est éternel, on pourrait même penser qu'il s'agit là d'une forme perverse de torture, en fait. Sauf à considérer que les élus n'ont vraiment plus rien du tout de commun avec les êtres humains qu'ils ont été, ce qui est encore euh, possible et qui sont passés. Euh, euh, dans un monde où, euh, où ces choses-là sont délectables. Bon. Alors, euh, une des premières objections, pas très solide en vérité, hein, je la fais pour le plaisir, hein, qu'on pourrait faire à Schopenhauer, ça consisterait à, à lui faire remarquer que les peines de l'enfer, telles qu'elles sont décrites euh, par Dante, n'ont rien de commun avec les peines euh, du, monde, euh, du monde réel. Hein, et et, et, et s'en distinguent euh, assez nettement. On peut voir en quoi. Alors, d'abord, il euh, y a euh, évidemment la présence de créatures fantastiques euh, qu'on a euh, peu de chance de croiser dans le monde réel, euh, Minos, Gérion, Lucifer euh, lui-même. Et, euh, et, euh, mais le plus efficace pour euh, euh, souligner l'atrocité des conditions, et là je vais m'appuyer sur euh, des remarques euh, que Borges fait dans ses essais sur Dante qui sont parfaites, c'est euh, une profusion de détails euh, horribles qui ne sont pas euh, des détails euh, réalistes mais qui euh, donne vraiment euh, à moi en tant que lecteur c'est ce que ça a fait hein, de, euh, toute son atrocité à l'enfer à un moment il parle de euh, de damnés alors je ne sais plus ce qu'ils ont fait parce que la hiérarchie des, des, du mal est, chez est, est particulière on, on leur a tourné la tête vers, euh, vers l'arrière et ils sont obligés de marcher à reculons et il donne cette précision affreuse les larmes des yeux baignaient les fesses entre les reins Au moment où il rencontre Ugolino et, et, et roger et où il pose la question à, à Ugolino qui est en train de grignoter le, le crâne de, de, de l'archevêque, il note, ce qui, ce qui est vraiment épouvantable, il souleva la bouche de son affreux repas à ce pêcheur, l'essuyant aux cheveux de la tête qu'il avait entamé par derrière. Ce tout petit détail de, de quelqu'un qui se, bon, est, est plutôt efficace j'en donne deux autres sur lesquels, à euh, un, un moment, il y a des, euh, il cro il croise des ombres aussi qui euh, les regardent, mais qui sont obligés de, de cligner des yeux. Hein, elle cligne des yeux vers nous comme le vieux tailleur au chat de son aiguille. Hein, ça c'est un, un détail qui est cité par borges dans, euh, dans, dans son premier essai. Et, euh, et un dernier qui m'avait particulièrement euh, marqué, euh, des damnés sont étendus dans la boue, euh, ils chantent. Euh, alors, eux, c'est ceux qui n'étaient pas contents de la vie quand ils étaient sur Terre. Ils chantent un hymne qui dit à peu près euh, on, on, on se plaignait quand, euh, quand on était sous le soleil, et maintenant nous nous plaignons dans la boue noire. Et, euh, et, et ce chant, précise euh, Dante, ils le gargouillent dans leur gorge, car ils ne peuvent le dire en mots entiers. Les deux dernières citations. Euh, les yeux qui clignent et le, le, la difficulté à, à, à prononcer renvoient toutes les deux à quelque chose d'onirique, de, de, au type d'impuissance euh, propre à, à certains rêves ou à certains cauchemars où tout se, se brouille et se, euh, et se confond. Borges d'ailleurs, euh, je pense, euh, avait sans doute remarqué ça, il a fait une, une toute petite nouvelle dans l'histoire de l'infamie qui s'appelle Un théologien dans, dans l'au-delà. Où tout est, euh, où, le, où le type d'enfer auquel elle est condamné aux théologiens se, se caractérise justement par euh, le flou, euh, l'imprécision, euh, euh, l'ambiguïté. Donc, pour la raconter en, en deux mots, parce qu'elle fait vraiment, elle, je pense qu'elle fait une page et demie. Un théologien qui euh, prétendait qu'on gagnait le paradis par la foi et pas par la charité meurt. Et il ne s'en rend pas compte. Et il est encore chez lui, en train de, de continuer à écrire qu'on ne gagne pas le paradis par. Euh, par la charité, mais par la foi. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que ses vêtements deviennent de plus en plus misérables. Puis, la, 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 la... il se rend compte que euh, la, euh, les dispositions des pièces de sa maison deviennent étranges, voire euh, impossibles. Et puis, il y a des gens qui commencent à arriver chez lui en lui disant qu'il est un génie, mais ils n'ont pas de visage, ou ils ont l'air morts. Et enfin, tout va de... Et, 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 et il continue pourtant à, à, à écrire ses livres. Après, il se dit qu'il y a un problème, donc il écrit qu'en fait, la charité est importante. Mais le lendemain, quand il se réveille, tout ce qu'il a écrit la veille a disparu <laughs> et, et il finit par être emporté par un démon. Bon. C'est euh, un type d'enfer euh, où tout s'efface et où rien n'est stable, euh, dont, dont, dont je pense que Borges a pris, euh, pris, pris, pris l'idée euh, chez Dante. Euh, on, on a aussi un, un usage de, de, de l'ambiguïté, j'en ai discuté pas mal avec euh, Mathieu ces derniers, ces, ces derniers jours, sur le passage très très connu de, de, du récit que Hugo a fait de, 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 de sa fin. Euh, Fien, euh, de sa mort. Donc il euh, y, y a une ambiguïté fondamentale que Borges souligne, et je pense qu'il a raison, hein, euh, euh, et qui est que on peut interpréter ce que dit Ugoulino, soit en, en supposant qu'il est mort de faim après ses enfants, soit en supposant qu'il est mort de faim après avoir d'abord mangé ses, euh, ses, euh, ses enfants. Borges suppose que... L'ambiguïté est totale et éternelle puisque hugolin n'existe que dans la dizaine de vers qui lui sont, qui lui sont consacrés. Mais moi, moi, il me semble qu'il y a là que, que, que l'interprétation reste délibérément ouverte. Le, le, le vers toscan, qui est très très dur à traduire en, en français, il peut vraiment être interprété de deux de, de, de manières différentes. Hein soit de dire que euh, la douleur n'a pas pu le tuer mais la faim l'a tué, donc il est mort de faim soit de dire que euh, la douleur n'a pas pu euh, être plus forte que la faim et l'empêcher de manger ses, ses enfants et que les deux et l'atroce possibilité non résolue, cette espèce d'état de superposition du texte est assez, euh, est assez euh, efficace bon, mais il ne me semble pas que ces éléments rendent moins pertinent ce que dit, euh, ce que dit, ce que dit Schopenhauer parce que euh, dans tout ce qui est décrit là on a soit un matériau empirique de la souffrance qui est poussé à son extrême. Euh, rendu un peu, euh, un peu fantastique et puis euh, et, et de toute façon, et l'autre matériau empirique qui est utilisé il appartient aussi à, à, à un type de vie qui est la vie onirique et le cauchemar euh, à mon avis donc il y a il y, y a pas une il y a un travail extrêmement génial de, du, du matériau mais il n'y a pas de, de quelque chose qui est sorti qui est sorti du, du néant euh, a l'inverse, les, les, les joies du paradis, elles, elles font pas pour nous l'objet d'une expérience possible, et d'où la euh, d'où la dissymétrie. Et cette dissymétrie chez Schopenhauer elle n'est donc pas accidentelle. Hein. Elle est nécessaire. En, en gros, c'est impossible pour les êtres vivants que nous sommes et pour tout être vivant qui aurait de l'imagination de se représenter euh, quelque chose comme une joie, euh, une joie, une joie éternelle, parce que ça euh, renvoie à un, euh, à un fait métaphysique. Euh, le, le jugement que porte Schopenhauer, c'est pas un jugement littéraire euh, ou un jugement de critique. Il est fondé euh, sur, des, euh, sur, sur, sur toute sa métaphysique et, toute, euh, et toutes ses convictions philosophiques. Alors, je vais essayer de, je, je vais essayer de, avec le temps que j'ai, de, de faire Schopenhauer en, en cinq minutes. Mais. Euh, Bon, essayons donc. Euh, je vous lis un, un texte très très connu de, de, de Schopenhauer. Il enfin, y, a, y a une citation qui est tout le temps euh, utilisée, qui est juste un peu euh, deux, deux pages avant euh, la, la, la citation de Dante que j'ai lue euh, tout à l'heure. Et euh, le, le voici. Déjà en considérant la nature brute, nous avons reconnu pour son essence intime L'effort, un effort continu, sans but, sans repos. Mais chez la bête et chez l'homme, la même vérité éclate bien plus évidemment. Vouloir, s'efforcer, voilà tout leur être, c'est comme une soif inextinguible. Or, tout vouloir a pour principe un besoin, un manque, donc une douleur. C'est par nature, nécessairement, qu'ils doivent devenir la proie de la douleur. Mais que la volonté vienne à manquer d'objet, qu'une prompte satisfaction vienne à lui enlever tout motif de désirer, et les voilà tombés dans un vide épouvantable, dans l'ennui. Leur nature, leur existence leur pèse d'un poids intolérable. La vie, donc, oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ce sont là les deux éléments dont elle est faite, en somme. De là se fait bien significatif par son étrangeté même. Les hommes, ayant placé toutes les douleurs, toutes les souffrances dans l'enfer, pour remplir le ciel, n'ont plus trouvé que l'ennui. Euh, alors, le, 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 le concept central de, de, de Schopenhauer, euh, celui qui fait, mais celui qui n'est pas un concept pour Schopenhauer, mais un fait métaphysique qui constitue l'essence du monde, il l'appelle, euh, il l'appelle la volonté. On peut se représenter la, la, la volonté. Alors, euh, pour Schopenhauer, ça concerne aussi bien les êtres vivants que les êtres immatériels, mais on se consacre aux êtres vivants parce que c'est plus simple et plus facilement euh, euh, saisissable. Euh, il, faut, il faut se représenter donc la volonté comme un, un mouvement qui tend à, à se perpétuer lui-même et qui n'a pas d'autre but que sa propre perpétuation, qui fait l'essence du monde et dont tous les êtres vivants, vous, moi, le moindre insecte, est en fait une, une, une projection dans l'ordre du monde. L'idée ici, c'est d'abord que notre être individuel, est euh, de, euh, de viser à notre propre perpétuation et à, euh, pour rien, en quelque sorte. Mais surtout, l'idée fondamentale est que moi et vous tous, on est au fond exactement la même chose sous des, représentations, euh, sous des représentations différentes. Et que ce qui constitue notre essence, la volonté, au moment où nous, en tant qu'individus, ne serons plus là, ne sera pas altéré et continuera à se perpétuer dans les individus qui, euh, qui, viendront, euh, qui viendront après nous. En quelque sorte, pour Schopenhauer, nos individualités, la multiplicité des, euh, des individus euh, vivants qui euh, sont là dans le, dans le monde, c'est euh, une forme euh, d'illusion qui nous masque l'unité profonde de notre essence et de l'essence du monde qu'il appelle la volonté et qu'il appelle quand ça, quand, ça, quand ça touche aux êtres vivants euh, la, euh, le, 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 euh, le vouloir vivre. Donc, chez l'homme, la figure principale que prend la volonté, c'est le désir. C'est le désir. Et euh, le désir n'est donc pas quelque chose d'accidentel, mais il est notre, en quelque sorte notre, notre substance. Le raisonnement de Schopenhauer est donc le suivant. Soit je désire, je désire quelque chose, je fais effort pour l'avoir. Et je souffre de ce qu'il me manque. La preuve pour, manifeste pour Schopenhauer du fait que le désir s'illusionne quant à l'objet qu'il vise, c'est que si l'objet est atteint, le désir ne meurt pas, mais se po porte sur un autre objet. Alors d'abord, ça implique une première chose importante, qui est qu'il y a une dissymétrie totale entre l'effort que je fais pour obtenir quelque chose et la satisfaction que j'en tire. Et que ça, c'est constitutif. Et du coup, quand j'ai obtenu quelque chose, je m'en lasse assez vite. Il faut que je désire quelque chose. Et si, par malheur, je désire rien, et que je me retrouve avec mon existence toute vide, je m'ennuie. L'ennui étant une forme de souffrance passive, là où la recherche de l'objet désirant est une forme de souffrance active. Schopenhauer dit qu'il ne faut pas prendre, prendre l'ennui très au sérieux, hein, parce que les, les, les gens sont, dit-il, dans le monde comme volonté et représentation, ont tellement peur de l'ennui qu'ils ont inventé des activités aussi stupides que les jeux de cartes. Hein <rire> euh, <rire> ce qui n'est pas complètement faux. Euh, donc l'état du désir privé d'objet, c'est une forme d'ennui métaphysique intolérable, si bien que le mieux qu'on peut e espérer dans la vie euh, pour le commun des mortels, pour Schopenhauer, c'est euh, d'alterner euh, assez rapidement euh, les phases de souffrance, et de désir et de déception. Le, le, autant pour souffrir sans euh, pour souffrir sans euh, sans s'ennuyer. Euh, bon. Alors si bien que quelqu'un qui représente l'enfer. Ben ce qui représente, hein, c'est exactement l'essence du monde. Hein. Ça tombe bien parce que pour Schopenhauer, c'est justement là le, le, le but de la représentation artistique, hein, donner, de, donner à voir en vérité ce qu'est euh, qu euh, l'essence du monde. Et seul l'art, dit Schopenhauer, nous donne, pour quelques instants, la possibilité de nous extraire de ce cycle horrible qui va du désir à sa satisfaction et, euh, et à la renaissance du, euh, du désir. Donc, j'ai été assez vite, j'espère que c'était quand même à peu près, à peu près clair. Si, si, si j'ai réussi à me faire comprendre, il faut voir que euh, l'idée qu'il puisse exister une béatitude éternelle, ce n'est même pas une idée vide, c'est une idée contradictoire. Le, 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 la satisfaction ne peut être que, euh, que momentanée, si bien que... Si j'essaye de décrire quelque chose qui est la béatitude éternelle, eh j'ai à peu près autant de, 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 de chances de réussir que si je veux dessiner un cercle carré. C'est impossible. Et donc je peux toujours en parler, faire des discours dessus, euh, mais je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Et c'est donc littéralement indicible, pas, pas en raison des défauts du langage, mais parce que ça n'existe pas. Et euh, il n'est pas, euh, pas exclu que Dante en ait un peu eu l'intuition au, <laughs> au début du paradis, puisqu'il dit... Dans le ciel qui prend le plus de sa lumière, je fus et vis des choses que ne sait ni ne peut redire qui descendent de là-haut. Ça tombe bien. Parce que euh, le, le, cette, cette, cette forme d'impossibilité à dire, alors là, évidemment, Dante le, 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 la présente comme une espèce d'impossibilité mystique euh, en, en vertu de la. Euh, euh, de, euh, bah, du, du, du fait que le, le, le paradis est au-delà de ce que, de, de ce que notre, notre faible esprit pêcheur peut, peut, euh, peut comprendre, mais rien ne nous interdit, nous, de le prendre absolument au pied de la lettre. Alors, si on est attentif, on voit que plusieurs fois, en enfer aussi, il dit qu'il qu est dans une situation indicible. Après quoi, il fait une longue description. Hein. Quand il, voit, quand, il, quand, il, quand il voit, Satan, il dit qu'il qu se sent ni mort ni vivant. Ce qui est, mais on a une, on, on, on a une, on a bel et bien une, une description de, de Satan. L'enfer que propose Chopin. En fait, on peut retourner les choses avec Schopenhauer, pour Schopenhauer Précisément, l'enfer, c'est le monde dans lequel, dans, 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 dans lequel on, on est. Et Schopenhauer nous présente donc, notamment dans le livre 4, euh, de, euh, du Monde comme volonté et comme représentation, et dans des suppléments. Le, le Monde est sorti en 1818, et puis en 1844, il a refait une deuxième édition avec euh, des suppléments qui doublent la taille du volume. Et euh, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à un supplément qui est très très... Euh, euh, évocateur qui s'appelle Caractère du vouloir vivre, dans lequel euh, Schopenhauer décrit avec, euh, avec une plume que, 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 que Ronier pas d'ante, hein, les souffrances notamment des animaux, euh, des tortuquines qui sont dévorées par les oiseaux. Vous avez une description euh, assez pathétique de la vie d'une taupe, par exemple. Euh, <laughs> et euh, et, 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 et on, on, là, on est vraiment au cœur dans, de, 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 de l'intuition de, 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 de Schopenhauer. Alors, Schopenhauer ne croit évidemment pas euh, en Dieu, il hein, n'y a pas de transcendance chez Schopenhauer, hein, le, le, la, la volonté, elle n'est pas au-delà, hein, elle est à travers chacun de nous, c'est de la métaphysique euh, euh, immanente, et en même temps, bien qu'il ne croit pas en Dieu, et, euh, il, il, euh, il arrive à résoudre Schopenhauer euh, en passant comme ça. Les problèmes, théologiques les problèmes théologiques considérables que pose depuis euh, longtemps la, la question de l'existence de, euh, de l'enfer. Alors, on peut examiner ces problèmes et voir comment Dante euh, peut les, les, les résout et comment Schopenhauer euh, les résout. Euh, donc, L'existence de, de, de l'enfer, ça pose un peu euh, des problèmes dont on trouve la formulation la plus explicite et la plus complète chez Leibniz dans la, dans la, dans la théodicée. Mais dont certains des, des problèmes, manifestement, ils ont été vus par Dante, sinon on ne comprend pas pourquoi il aurait fait euh, les remarques qui, 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 sont, qui parsèment, euh, parsèment l'enfer. Euh, euh, le premier problème, c'est la question des non-baptisés ou des gens qui sont morts avant la venue du Christ Là, c Alors, Admis cela toujours que Dieu est bon, euh, infiniment bon euh, et, tout, et tout puissant, ça paraît un, un, un peu fort quand même euh, qu'on euh, envoie un nouveau-né pas baptisé directement en enfer et que, euh, que Platon euh, et Homère euh, soient en train de griller. Alors précisément, chez Dante, ils ne grillent pas. Ils sont dans, ils sont dans une espèce de, de, de. Ils sont au tout début de l'enfer, hein, ils sont privés de la présence de Dieu, c'est leur punition. C'est déjà pas mal parce qu'en en fait ils ne sont pas coupables de grand chose d'autre que de leur date de naissance, les pauvres. Euh, Leibniz, par exemple, refuse qui est pourtant très... Euh, refuse absolument de croire que les non-baptisés euh, vont directement en enfer. Il dit que alors pour une fois, il dit que c'est indigne de, euh, du concept d'un dieu, euh, dieu, euh, dieu bienveillant. L'autre problème avec l'enfer, et pas des moines, c'est quand même l'éternité de la peine. Quoi qu'on ait fait, quelques pervers qu'on ait été... Euh, Payer pour l'éternité, ça fait beaucoup, ça fait même trop. Euh, et puis, euh, le, le, ça, ce qui ne simplifie pas les choses, c'est que dans le purgatoire, on, on voit que si on a passé euh, une vie euh, de pêcheur et que, hop, juste à toute dernière minute, on a le temps de se repentir sincèrement, on échappe, euh, on échappe à, 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 à l'enfer. Et la question de savoir comment un Dieu juste et, et miséricordieux euh, pourrait euh, payer, euh, peut, pourrait punir infiniment ce qui, par définition, est inscrit dans le temps, euh, et en plus punir pour l'éternité la très grande majorité des âmes, euh, pour n'en sauver que quelques-unes, c'est un souci. Alors chez Leibniz, il trouve une, une, une solution assez élégante. Euh, Leibniz pense que, que les damnés qui sont en enfer, en fait, ils ne cessent de mériter leur enfer. En, en continuant à pêcher perpétuellement euh, en, euh, en enfer. Et chez Dante aussi, <laughs> si vous regardez bien, il y, y a des gens qui, les, les premières âmes d'année, au début de l'enfer, qui arrivent près de l'Achéron commencent à blasphémer directement euh, en regardant euh, Charon. Donc, ils sont, elles sont bien à leur place. Euh, donc, il dit s'écrit, hein, « elles, blas, elles blasphémaient Dieu et leurs parents, l'espèce humaine et le lieu et le germe de leur naissance, de leur lignée. » Et là, c'est au moment où ils savent déjà qu'ils sont en enfer. Hein. Après, on trouve un des rois des sept contre Thèbes, euh, auquel Virgil dit euh, Au Capané, du fait que ton orgueil ne s'éteint pas, ta punition euh, augmente. Et, et ensuite, il y a quelque chose qui me, me, me réjouit tout particulièrement chez l'un des damnés qui est Vanny Fouch, qui est en train de souffrir horriblement et qui trouve quand même le temps et le loisir d'adresser un geste obscène au ciel en criant Tiens, Dieu, c'est pour toi. <rire> <rire> euh, donc. <laughs> Voilà le... Donc là, là ici, le problème, le problème est assez réglé. Le damné est damné éternellement parce que c'est un pêcheur éternel qui continue de, de mériter sa, euh, sa, euh, sa, sa. sa damnation. Euh, alors, chez Schopenhauer, évidemment, vous enlevez Dieu, vous enlevez normalement le, vous enlevez normalement le problème. Et là, pour moi, c'est un, un des points de tension chez, chez Schopenhauer. Alors, quand c'est chez, chez un élève, on dit une incohérence. Chez un, un grand auteur, on dit un point de tension. Euh... Le point de tension, c'est que euh, Schopenhauer est, euh, consacre tout du, deux chapitres à expliquer que notre, notre, euh, nos souffrances sont justes. Il a, il a, si vous pensez que la volonté est absurde sans sens, vous n'avez absolument pas à faire rentrer la justice là-dedans. C'est vraiment, euh, ça semble vraiment euh, superflu. Et, euh, et, et, et ce qui est vraiment étrange, c'est que Schopenhauer pose ce problème dans des termes qui, qui rappellent vraiment les préoccupations de la euh, de la théodicée, et il donne, euh, à mon sens, une, une solution particulièrement euh, esthétique et en même temps atroce au problème, en définissant la justice de cette manière-là. Alors, on va dire qu'il y a justice quand la punition correspond quantitativement et qualitativement à la peine, et que la justice est d'autant plus parfaite que la punition suit euh, le plus rapidement la, euh, la peine. Et dans nos vies euh, d'humains et, et dans la vie de tous les êtres vivants, la justice, elle est parfaite, parce que euh, le crime, c'est le châtiment, en même temps. En gros, c'est vivre qui est à la fois le crime et le péché, et euh, en même temps le, euh, le châtiment. Euh, celui qui souffre est coupable, et il est juste qu'il souffre éternellement. Alors vous pourriez me dire, mais il ne souffre pas éternellement, puisqu'on va mourir. Mais si, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'essence dont nous, nous sommes faites, elle, elle est éternelle. Et vous vous retrouvez donc avec l'idée d'une souffrance qui est tout à la fois euh, éternelle, atroce et parfaitement euh, méritée. Je vais vous lire deux, petites, deux, 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 deux derniers passages de Schopenhauer, particulièrement plein d'amour pour le genre humain. « Voulez-vous savoir ce que valent, au sens moral du mot, les hommes pris en général et d'ensemble Considérez leur destinée, d'ensemble et en général. Cette destinée, la voici, besoin, misère, plainte, douleur, mort. C'est que l'éternelle justice veille. Si pris en masse, ils ne valaient pas si peu, leur destinée moyenne ne serait pas si affreuse. » C'est dans ce sens que nous pouvons dire le tribunal de l'univers, c'est l'univers lui-même. S'il était possible de mettre dans une balance sur l'un des plateaux toutes les souffrances du monde et sur l'autre toutes les fautes du monde, l'aiguille de la balance resterait perpendiculaire fixement. Et Schopenhauer arrive à faire quelque chose que Dante ne peut pas ni faire ni imaginer. Non seulement il se passe de Dieu, mais il se passe aussi des démons, puisque chacun est à la fois le damné. Euh, L'opérateur euh, de, euh, de la torture. Et on a, donc, on a quelque chose de, de, de conceptuellement assez parfait. Schopenhauer rajoute Le bourreau et le patient ne font qu'un. Celui-là se trompe en croyant qu'il n'a pas sa part de torture, et celui-ci en croyant qu'il n'a pas sa part de la cruauté. Alors, pour, pour, pour comprendre ce qu'il veut dire, puisqu'on pourrait évidemment lui objecter qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de mal, mais en fait, les individus, encore une fois, sont simplement des illusions de la volonté et, 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 et les souffrances, et j'ai je je, je, à répondre des souffrances qui sont celles euh, apportées au vivant par, par, la, par, par, par la vie elle-même qui est, au fond, moi. Hein euh, je pense que la... la alors, j'ai pas réussi à trouver la référence, mais le, le, le Schopenhauer... Euh, quand il parle de, du monde comme volonté et représentation, il en parle comme euh, il, il en donne une. une il parle de son, son intuition fondamentale en donnant une image qui est très très dantesque. Il dit qu'il imagine un, un, un monstre énorme euh, aux yeux crevés, aveugle et dévoré par une faim euh, atroce et inextinguible, et qui, pour euh, assouvir sa faim, plante ses dents dans sa propre chair voilà. et, se et se dévore euh, et, et se dévore lui-même. Je pense que c'est la manière la plus simple et la plus rapide de comprendre ce que c'est que la, le vouloir vivre chez, euh, chez, euh, chez Schopenhauer. Alors, je vais prendre trois minutes pour conclure. Et c'est n'est pas, pas conclure, c'est passer complètement hors sujet, si vous permettez. Parce que j'ai hésité entre deux thèmes aujourd'hui, et euh, donc j'ai choisi celui-là. Mais voulais quand même. Euh, J'ai failli faire quelque chose sur Galilée en fait, parce qu'on a appris. J'ai appris il y a quelques mois que, en 1587, à Florence, Galilée avait, avait 24 ans. Il a donné deux leçons sur l'enfer de Dante devant l'Académie, a euh, essayé des, le, des leçons assez extraordinaires. Alors, d'abord, il essaye de montrer devant les, les, les professeurs de l'Académie que euh, la géométrie de l'enfer proposée par Dante est une géométrie possible, qu'elle est cohérente, hein, que tout, tout, que tout l'enchaînement des cercles, on peut, le, on peut se le représenter et se le dessiner. Et puis après, le, le reste de sa leçon, il la passe à donner les mesures exactes et l'emplacement des différents cercles, leur circonférence. Euh, il donne même la taille exacte de Satan <laughs> dedans. Euh, et vous avez des dessins avec une géographie alors, au, au cordeau hein, de, 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 de l'enfer. Moi j'avais trouvé ça très intéressant et j'avais demandé à un, à un collègue qui est spécialiste de Galilée si, si Galilée croyait, euh, enfin si les gens au 6e siècle, il y en a qui croyaient que ce que, que, ce que décrivait Dante c'était l'enfer réel. Donc non, apparemment. On a un exercice intellectuel de calcul qui n'est pas euh, étayé sur la croyance que l'enfer est, est effectivement, euh, effectivement comme ça. Et, euh, et on se demande donc euh, ce que Galilée a pu faire là. Et, et dans, la, dans, la, dans, dans la préface des, des leçons sur l'enfer, l'éditeur le précise et j'ai trouvé ça assez réjouissant. C'est qu'en fait, euh, à, à l'époque, euh, Galilée a, faire ça, a fait ça pour montrer à l'université que les astronomes pouvaient quand même se préoccuper de choses sérieuses. Voilà. <laughs> Je vous remercie. Euh... Merci. Je dois avouer que cette présentation de l'enfer de Dante a quelque chose de très drôle et que ça a été fait surtout pour nous distraire, mais que je n'arrive pas à croire que, que Jérôme Ferrari soit convaincu de l'analyse de tous ceux qui ont critiqué cette présentation de l'enfer, en particulier du de, de plus. De plus en, en, euh, le plus triste et le plus malheureux des philosophes comme schopenhauer qui était un, un bonhomme qui était qui qui n'aimait pas vraiment le genre humain à mon avis mais je ne suis pas philosophe ni dentologue je ne suis qu'un vulgaire médecin de la commune espèce en re, retraité et qui a vécu également et qui vit toujours en, en, comme vous en corse et qui se souvient que en corse les les paysans les les bergers du, du siècle dernier euh, étaient capables de réciter des, des, des pas entiers de, de la divine comédie. Et s'ils le faisaient, ce n'était pas parce que ça les faisait rire, c'est parce qu'ils avaient compris qu'à travers ce texte étaient mis en relief des, des choses importantes pour que chacun puisse se conduire convenablement dans la vie. Et c'est vrai, peut-être c'était dû simplement parce qu'ils avaient la même conception de l'enfer et du purgatoire et du paradis qui n'était pas littéralement ce que Dante décrit, parce que Dante lui-même n'y croyait pas. C'était une image, c'est un message qu'il a, qu a adressé, je crois, hein, c'est mon point de vue, à, à l'humanité, pour, pour les convaincre de, 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 des choses qu'il faut faire, et des, de la gravité des, des manquements, comme dirait Frédéric Boyer, des manquements, c'est-à-dire des péchés, que chacun peut, peut accomplir. Alors... Euh, euh, ce, ce côté iconoclaste de l'enfer moi même je pourrais le, le développer bien que croyant parce que parce que ce sont des images ce sont des métaphores de, et, et je crois que j'aimerais que, que vous, vous me précisiez ce que, ce que à partir de ce que vous avez dit ce qui vous a vraiment convaincu il se peut que selon que l'on soit croyant ou pas comme Dante était croyant hein, et a fait ce, cette divine comédie pour s'adresser à la population, et créer une langue pour y être compris de tous, euh, comment vous-même, personnellement, euh, vous situez-vous par rapport à, à ce, que, ce qui vous a fait rire, et nous avons ri avec vous, euh, dans la découverte de cet enfer euh, très, très illustré de la divine comédie Ah, ça m'a pas fait rire l'enfer, moi. Hein. Euh, euh, D'abord, Schopenhauer ne fait pas du tout une critique de l'enfer, de Dante. Au contraire, il dit que euh, c'est un texte euh, parfait. Alors, je n'ai pas pu développer la chose tout à l'heure, mais comme, comme, comme euh, j'ai juste fait allusion à ça, euh, je pense qu'aux aux yeux de Schopenhauer, c'est une, une œuvre d'art qui est parfaite et dans sa forme et dans sa fonction, puisqu'elle montre, euh, elle, elle, elle montre en fait la vérité euh, dépouillée des oripos illusoires qui nous la cachent dans la vie quotidienne, en quelque sorte. Donc euh, voilà et précisément euh, pour Schopenhauer c'est la description de l'enfer dedans c'est tout ce que vous voulez mais c'est certainement pas une métaphore c'est euh, une une épure euh, des, euh, une épure telle que seule euh, la, euh, la pratique de l'art peut, peut, peut en proposer hein, euh, d'un euh, fait, fait essentiel euh, d'un fait essentiel de euh, de la vie alors après euh, voilà en ce qui concerne ce que croyait Dante ou pas, j'en sais rien, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de Dante. Euh, il, il est certain qu'un texte a ce qui du début du XIVe siècle, siècle, du siècle un 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 de un un a des aspects qui nous sont étrangers, notamment surface la vie, la mort, le mal, l'éclat de l'os, le mal, l'éclat de euh, je suis pas sûr que...

mais évidemment, le, le but de mon intervention, ce n'était pas de, de, de défendre la thèse absurde que l'enfer de Dante euh, est, est, euh, est, est risible. Euh, est, euh, si, si ce n'est au, si, si, si au second degré. Et ce n'est certainement pas non plus euh, ce, que pense, euh, ce que pense Schopenhauer. Et, et, et encore une fois, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, il ne dit pas non plus que le paradis est raté. Il dit que le paradis est un, est un, est un, est un, est un poème sans contenu intuitif. Ce qui est tout à fait différent. Et, qui, euh, et donc, pour Schopenhauer, c'est donc certainement une œuvre d'art de moins grande qualité que l'enfer, parce que normalement, une œuvre d'art doit avoir, pour Schopenhauer, un contenu intuitif. Euh, et, et, euh, et Schopenhauer n'y voit que euh, des symboles et des concepts euh, qui. Euh, euh, Vente euh, les perfections de la vie intellectuelle, mais sans, euh, mais sans, 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 le, faire, sans, sans le faire, voir de manière, euh, de manière concrète comme une œuvre d'art devrait, euh, devrait le faire. Merci Jérôme. Euh, ce, ce, ce sera d'autant plus intéressant tout à l'heure euh, d'entendre Yannick Henel qui nous parlera lui de l'expérience du paradigme. Donc on aura peut-être aussi un écho avec, euh, avec ce qu'on vient d'entendre. De, de, euh, merci beaucoup Jérôme. Merci.